Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tag. Donc c'est un tag que j'ai vu chez ma copine Elodie au pays de Toti. Donc elle a créé, voilà, rendons-lui hommage. Merci ma belle. Donc voilà, donc c'est des questions sur le tag, enfin c'est un tag qui s'appelle le tag Qui es-tu? Donc c'est des questions un petit peu sur nous, nos passions, tout ça. Voilà, donc on va débuter pour pas que la vidéo te fasse trois plombes. Alors, la première question c'est as-tu des animaux? Oui, j'ai toujours eu des animaux, même quand j'étais petite chez mes parents, j'ai toujours eu des animaux. Donc, moi, à l'âge adulte, j'ai eu plusieurs chats. J'ai eu. On va se cantonner avec ce qu'on a actuellement, parce que sinon il y en a beaucoup trop. Bref, là actuellement on a 5 chats, puisque notre plume s'est fait écraser la semaine dernière. Donc on a Salem, Yuna, donc Salem c'est le fils à Yuna. Et Plume c'était la fille à Yuna aussi. Et on a Chocolat, Caramel et Réglisse qui sont les bébés de Plume. Voilà. Je sais. Yuna est stérilisée maintenant. On devait faire stériliser Plume et puis les chatons quand c'est bon, mais bon. Voilà. Plume, on n'a pas eu le temps. Bref, on va pas polémiquer dessus. C'est triste. Voilà. Et on a trois chiens. Donc on a la première, Cannelle, que j'ai depuis qu'elle a 1 mois et demi. Donc, ou 1 mois et 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc maintenant, elle a un peu plus de 14 ans maintenant. Voilà. Elle est très vieille. Elle ne voit plus. Elle n'entend plus. Au niveau de l'odorat, c'est pas ça. Enfin bref. Mais sinon, elle se porte bien. Donc, voilà. À part ses plaies qu'elle a un peu partout. Mais on ne peut rien y faire. Voilà. Sinon, on a Whiskey. Donc ça, c'est le chien de chérie. Whiskey, il va prendre 7 ans là au mois de novembre. C'est un croisé husky berger australien. Donc ma chienne, c'est un bulldog français. Voilà. Il est gentil comme tout. Faut pas l'embêter, mais il est gentil comme tout. Enfin, faut pas l'embêter. Faudrait pas qu'il y ait des gens méchants, mal intentionnés qui rentrent parce qu'il serait pas content, mais sinon il est adorable. Hein. Voilà. Donc lui, c'est le chien de chéri qu'il avait avant qu'on se rencontre. Et puis on a adopté le petit Snoopy. Donc c'est un épagneul breton. Pour que qui suive mon homme sur les chantiers. C'est un vrai bébé parce qu'il est tout le temps avec nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et on pensait qu'il y aurait des jalousies, et au final, pas du tout, tout le monde s'entend comme la roue en foire là-dedans. Donc voilà. Bref, c'est génial. Ensuite, deuxième question, que fais-tu dans la vie? Alors, de base, j'ai fait des études d'infirmière, j'ai fait 2 ans. J'ai arrêté pour des raisons qui me sont propres. Et donc j'ai bossé comme aide-soignante de 2004 à 2013. J'ai eu un accident de travail, un deuxième accident de travail, parce que c'était mon deuxième. On a découvert que j'avais 2 vertèbres écrasées, une hernie discale. J'ai essayé de rebosser un peu dans ce boulot, mais c'est impossible, donc j'ai été déclarée inapte à ce poste. Voilà, et donc du coup, aux dernières nouvelles, ça s'est clairement pas amélioré, ça ne s'améliorera jamais. Voilà. Bref, ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai été téléconseillère pour un grand groupe de gaz, électricité connu, donc voilà. Un boulot que j'ai détesté clairement, mais vraiment. Alors moi, je suis quelqu'un de très relationnel, très humain, enfin tout ce que mon métier m'a appris, après, je suis déjà quelqu'un comme ça déjà de base, mais. Et là, c'est du merchandising. On était censé faire souscrire des contrats ou répondre à des problématiques quand les gens se retrouvent embêtés. Voilà, il suffit un compteur qui saute, faire intervenir des techniciens, quoi que ce soit, et au final, on est là juste pour ramasser du pognon, et voilà. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des gens qui le font, c'est pas du tout pour moi, et clairement, c'est un métier en plus que j'ai exercé au moment où
Je me suis séparée avec mon ex-mari et ben clairement t'as un boulot qui te plaît pas et t'es en pleine séparation, ben tu peux pas tenir quoi. Voilà, donc je ne recommencerai pas. Mais ça, c'est propre à moi, voilà. Et j'ai été aussi animatrice en maison de retraite, un boulot que j'aimais beaucoup. En plus, on avait une super équipe. Enfin voilà, on était. J'avais deux collègues avec qui ça se passait super bien. On s'entend toujours très bien, on a fait plein de bouffe ensemble et tout. Voilà, et franchement, ouais, bah, de toute façon, ça reste dans ce que j'aime comme boulot, donc. Mais clairement, ça me faisait autant mal au dos que, puisque vous êtes tout le temps en train de déplacer les gens, les ramener à table, les ramener dans leur chambre, déplacer les tables, déplacer. Et au final, je me pétais le dos autant. Mais c'est vraiment un boulot que j'aimais beaucoup. Voilà, et sinon, j'ai fait aussi du domicile, des ménages et puis des toilettes à domicile, quoi. Voilà, mais bon, clairement, je suis toujours. Le problème de mon dos, c'est que il y a des moments ça va aller, puis 3 jours après, ça va plus. Là, je me suis levée ce matin, je croyais que j'allais pas me lever tellement j'avais mal, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bref, on fait avec. Alors, quatrième question, quelle est ta couleur préférée? Le violet sous toutes ses coutures, c'est-à-dire du plus clair, genre lilas, lavande, tout ça, jusqu'au beaucoup plus foncé, quoi. Le violet, c'est ma came. Alors, cinquième question, sucré, salé ou les deux? Je dirais les deux. Quand j'étais jeune, je vous aurais dit salé parce que je ne mangeais pas de sucré. Voilà. Quand j'étais enfant, je ne mangeais pas de gâteau, je ne mangeais pas de sucrerie ni rien. J'aimais le fromage, le reste de nourriture, mais pas ce qui était sucré. Alors, j'ai loupé plein de gâteaux de ma maman et plein de crêpes et de trucs comme ça. Mais tant pis. Les îles flottantes que ma mère fait qui sont formidables. Bref. Je ne mangeais en tant qu'enfant, je ne mangeais que des fruits, des yaourts à la vanille, ou des glaces à la vanille, et des éclairs au café, quand même. Voilà. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Ça n'allait pas plus loin, donc. Et je préférais manger largement un bout de fromage que de manger des desserts. Après, je vous dirais que on n'en mange pas plus que ça. Quand on va chez les gens, en fait, chéri, il mange pas du tout de dessert, lui, mais pas du tout. Quand on va chez les gens, bah moi, c'est parce que j'ai été élevée comme ça. Donc du coup, bah, je mange pour faire plaisir, mais j'apprécie pas. C'est comme ça. Voilà. Donc ouais, je suis quand même peut-être plus salée quand même. Hein. Bref. Alors, sixième question. Quels sont tes loisirs et passions? Alors, bah, la lecture, le scrapbooking, la broderie, donc le point de croix. Hein. La broderie, je m'entends. Le diamond painting. Bah, le tricot, j'en fais un tout petit peu. J'aimerais bien apprendre le crochet, mais déjà que j'ai du mal avec le tricot. Hein. Là, je suis en train de me faire une écharpe. Voilà. Je suis pas hyper douée, hein, mais. Après, j'ai fait des points réguliers, donc déjà, c'est pas mal. Voilà. Tout se casse la figure. Parce que le chien m'a tiré dessus hier. C'est génial. Alors, par contre, je fais du tricot. Je ne sais absolument pas récupérer une maille si je la perds. Donc, je détricote tout. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai regardé des tutos et tout. Je n'y arrive pas. Donc, tant pis. Ensuite, qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, le chant. Le chant, c'est ma vie. C'est ce que je fais toujours, toujours, toujours. Puis, c'est viscéral chez moi. Hein. Si je ne chante pas, c'est que ça va pas. Ensuite, les balades en mer et enfin à la mer et dans la forêt, enfin me balader, j'aime bien ça, ça me ressource. Et puis bien évidemment les tarots et oracles, enfin tout ce qui touche au développement personnel, au spirituel et tout, c'est mon truc. Voilà. Donc mais ça vous le savez puisque j'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Alors si vous voyez ici là les livres, hein, ma bibliothèque a changé, mais je suis en train de tout mettre en carton. Donc voilà. Donc je fais du tri. Ensuite, je crois que c'est tout, hein, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des trucs, j'en ai tellement que. Voilà. Alors, septième question, les trois choses que tu aimes le plus faire dans la vie. Alors, je dirais passer du temps avec ma fille et avec chérie, mes beaux enfants, ma famille en règle générale. Ça, c'est vraiment vital chez moi. Et surtout avec ma fille. Sans être méchante, hein, c'est pas du tout que j'aime pas les autres, mais
c'est toute ma vie. Ouais, je dirais comme Elodie, manger. Et... Alors dormir, non, parce qu'en fait, j'aimerais bien, si je dormais bien, mais je dors, je très très bien. Donc, et puis, bah, pratique mes loisirs, en fait. Voilà, dire ça comme ça. 8e question. Où rêves-tu d'aller? Ah oui, j'ai oublié la troisième, en fait. Je vais vous répondre après. Donc, où rêves-tu d'aller? Je rêve d'aller au Japon, clairement, pour voir mon petit frère, ma belle-sœur et mon petit neveu. Et parce que c'est un pays qui me fascine, j'adore le Japon. Je trouve qu'ils ont une culture qui allie modernité et traditionnelle qui est assez impressionnante. Ouais, après tout n'est pas bon dans le Japon, mais comme tout n'est pas bon en France. Après, j'ai très envie de découvrir plein de pays, hein. J'aimerais découvrir l'Inde, qui est un pays qui me fascine aussi. Même si je connais les défauts de ce pays aussi, hein, faut jamais se leurrer. Après, j'aimerais bien découvrir plein, plein, plein de pays. Le Canada. Alors, je vous aurais bien dit l'Australie, mais il y a trop de bestioles cheloues là-bas. Donc, non, c'est pas pour moi ça. Non, mais après, il y a plein, plein de pays qui me font envie et plein d'autres qui ne me font pas du tout envie, en fait, hein, clairement. J'aimerais bien aller en Irlande, en Écosse, aux États-Unis aussi, la Louisiane, comme tu disais, Elodie, carrément. Puis en plus, c'est un pays qui a une culture quand même assez francophone, donc c'est génial. Mais voilà, où rêves-tu d'aller? Et sinon, donc la troisième question, c'est pour ça que je sais que je l'ai oublié. Quel est ton plus grand rêve? Vu que l'autre c'était où rêves-tu d'aller? C'est là que je m'en suis rendu compte. Donc mon plus grand rêve, clairement, ça aurait été d'être chanteuse. Voilà, ça aurait été le rêve de ma vie. Clairement, ça ne s'est pas fait. Et puis j'adore chanter pour moi, pour mes proches. Maintenant, de là à aller chanter pour les autres, alors je l'ai fait, hein, j'ai été en chorale où j'étais soliste et tout ça. Mais c'est les à côté. Enfin, je pense que les gens qui sont vraiment connus ou même sans ça, sans qui ont déjà une petite notoriété, sont obligés de prendre la route tout le temps. Ouais, non, en fait, moi je vais être très bête dans ce que je vais dire, mais je suis très casanière. J'aime bien être chez moi, même si j'aime aller en vacances et tout ça. Mais je le soir rentrer chez moi, retrouver mes proches et tout, c'est moi, c'est ce qui me ressource et c'est ma vie. Donc les à côté de ce métier ne m'auraient pas plu. Donc, à part ça, mon plus grand rêve, ben, comme je vous ai dit dans ma vidéo, mon avant-dernière vidéo, je crois, ça aurait été d'avoir ma propre boutique qui ferait librairie normale, librairie ésotérique, salon de thé, où je vendrais aussi des choses pour le point de croix, pour le scrap, machin. Enfin, moi, ça serait une espèce de grande boutique de loisirs, en fait, qui fait salon de thé, pâtisserie, tout ça. Enfin, voilà, ça serait vraiment, vraiment, enfin, mon truc. Parce que j'aime, voilà, j'aime cuisiner, quand même. Aussi, ça, c'est une de mes passions. Ouais, j'aime bien cuisiner. Là, je cuisine pas énormément, parce que, ben, j'aime beaucoup cuisiner la pâtisserie, mais j'ai des beaux enfants, hein, qui sont très, très difficiles. Chérie, mange pas de gâteau. Et je suis déjà assez grosse comme ça. Si c'est pour manger encore plus, bah, la peine. Mais voilà. Mais j'aime bien cuisiner, même des plats préparés, enfin plats préparés, plats en sauce, tout ça, c'est ce que préfère chérie d'ailleurs. C'est mon truc, voilà. Donc j'aimerais beaucoup avoir une boutique comme ça. Qui sait? Soyons fous, ça arrivera peut-être un jour. Voilà. Alors, 9e question, cite trois de tes qualités et trois de tes défauts. Alors, au niveau qualité, je dirais que je suis quelqu'un de généreux, que je suis quelqu'un d'empathique et que je suis quelqu'un de gentil. Et mes défauts, je suis impulsive, même si j'en ai gagné par rapport à quand j'étais jeune. Parce que clairement, avant, je démarrais au quart de tour. Maintenant, j'arrive à réfléchir un minimum. Je suis impulsive, je suis rancunière. Et alors je dirais susceptible, lunatique.
Un peu, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, dixième question pour terminer. De quoi es-tu le plus fier? Ben, de ma fille. Voilà, clairement. C'est ma fierté au quotidien, c'est mon plus grand bonheur. Après, je suis très fière de Chéri qui a ouvert son entreprise et qui a du boulot, a pu savoir qu'en faire, qui voilà. De moi, je suis pas spécifiquement fière, en fait. Pas du tout même. Mais ouais, je suis fière de ma fille. Voilà. De ce qu'elle est, de ce qu'elle va devenir, de son caractère, voilà. Enfin, je l'admire beaucoup. Et puis ce qui me fait rire, c'est que quand vous avez des enfants, ce qui est rigolo, c'est de les observer au quotidien. Et moi, des fois, je la regarde juste quand elle joue et voit, enfin voilà, voir ce qu'elle fait, ça me fait triper. Quand elle fait des dessins, l'explication qu'elle te donne derrière et tout, c'est trop drôle, quoi. Enfin, ils ont cette innocence que nous, on a perdue et qui vous fait vous émerveiller pour rien. Enfin, j'ai retrouvé ça ben, dimanche. Donc là, on est mardi, donc on est le 19 octobre. Dimanche, et clairement, j'étais trop contente. J'ai vu un écureuil sur la route qui repartait dans son arbre. J'ai vu un ragondin sur le bas-côté. Et j'ai vu quoi d'autre? Je sais plus quoi ce que j'ai vu d'autre comme animal. Et rien que ça, au fait, vous les regardez avec des yeux d'enfant. Et je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu ça. Voilà. Alors j'essaye de le retrouver un minimum quand je regarde les choses, mais c'est jamais aussi spontané qu'un enfant, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi j'étais très contente de faire ce tag. Bah, merci à toi Elodie de l'avoir créé. Je te fais plein de gros bisous, ma chérie. Clairement, voilà, je suis toujours en panne de lecture entre guillemets parce que là j'ai lu Charlie hier, je crois que j'ai lu une quarantaine de pages. Voilà, mais j'avance pas très très vite. Mais je me dis une quarantaine de pages par jour par rapport à ce que j'ai lu d'habitude, c'est bien. Voilà. Mais bon. Voilà, après, je suis cyclique, il y a des moments où j'ai plus envie que d'autres. Donc je vais m'écouter, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis c'est tout, quoi. Mais bon, j'étais très contente de faire ce tag, n'hésitez pas à le reprendre, à aller voir la chaîne de Elodie que je vous mets en barre d'infos. J'essaierai de lister s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait entre-temps. Et puis ben voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je sais bien que c'est un peu le contenu en ce moment, c'est un peu... Voilà. Pump it up, la one again, mais voilà, hein, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. J'ai plein d'autres trucs en tête en plus, donc qui sont pas forcément, qui vous permettent pas d'avoir l'esprit libéré. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à lire, c'est que je pense constamment à autre chose et voilà quoi. Donc je commence deux lignes et puis en fait je pense à mon esprit par ailleurs et je suis obligée de relire les deux lignes. Enfin, c'est casse-pied. Bref, tout ça pour dire ça. Si jamais ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.